Un bâtiment, ce ne sont pas simplement des murs qui s'agrandissent, des peintures qui sont rafraîchies, un confort à améliorer, des espaces plus larges. C'est aussi, à mon avis, vraiment l'expression d'une philosophie, d'un projet que veut porter une école. Et tout le travail qui a été mené pendant ces années à Sciences Po Grenoble s'inscrit bien dans cette logique finalement de porter un projet qui à la fois s'inscrit finalement dans la continuité de son histoire, de son identité, et en même temps eh bien, nous permet de penser un futur renouvelé. L'IEP, c'est un lieu qui a vocation pour ses étudiants, pour ses personnels, à ouvrir de nouveaux horizons. Et donc il fallait aussi que le bâtiment reflète cette volonté d'ouverture avec des espaces beaucoup plus lumineux, avec des entrées qui sont renforcées, avec un nouveau patio qui, à la différence des autres, s'inscrit dans une perspective qui est ouverte vers le reste du campus. Ça enracine l'idée d'un espace réservé à la science politique sur le campus de Saint-Martin-d'Hères. Et je dirais cette fois-ci, c'est un bâtiment majeur. Je rends hommage à mes successeurs qui ont réussi, et là cette fois-ci pleinement, d'avoir un bâtiment de haute tenue. Mais en circulant tout à l'heure, il m'a semblé que ça restait dans le même esprit. C'est que ce projet, il se construira pas en rupture de ce qu'a été l'IEP. Parce que la force historique, finalement, de l'IEP, elle doit être aussi au cœur de son projet futur. Et c'est quoi cette force historique ? C'est la qualité de ses étudiants, et c'est la qualité finalement de la formation dispensée à ses étudiants. La force de la recherche qui a toujours été au cœur de son projet et qui trouvera avec ce nouveau bâtiment des lieux améliorés pour réaliser des conférences, pour accueillir dans de meilleures conditions les chercheurs. C'est la création d'un espace de documentation renforcé à l'IEP, qui est un vrai centre de documentation de type Learning Center. Ce futur de Sciences Po, ça sera nécessairement le résultat d'une œuvre collective.